rappelle des histoires de ma mère à propos de Kira et des guerres sacrées. Je me demande si elle est venue ici. Mystios, comment était Megaris? Le loup est mort. Excellent. Voilà ton paiement, comme convenu. Tu t'attendais à ce que j'aie Argote? Allons, Alexios, ce n'est pas tous les jours que je pousse quelqu'un à tuer son père. Sauf qu'il n'était pas ton vrai père, n'est-ce pas? Comment savais-tu que Nikolaos était mon beau-père? J'aime le théâtre, comme tous les arts. Un grand général jetant ses enfants d'une falaise sur une sentence de l'oracle. C'est une tragédie éternelle. Tu prends ma vie pour un divertissement? Oh non, mon ami. Je sais, ça fait beaucoup de choses à la fois. Viens. Dis-moi, Mystios, est-ce que tu as appris quelque chose d'utile auprès du loup? Il a parlé de ma mère. Elle vit toujours. Pas pour longtemps, j'en ai peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu vas m'apporter sa tête, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as tué pour un sac de pièces l'homme qui t'a élevé. J'en ai conclu que tu désirais autant que moi la mort de ta famille. Malaga, tu crois pouvoir t'épouser avec moi? Je vais t'arracher la langue! Tu me déçois beaucoup. C'était quoi? Elpenor s'est enfui, se lâche. Je ferai bien d'examiner sa maison. Une lettre à Elpenor. Oh, Phoebe, tu l'as conduit jusqu'à moi. Elpenor recherche donc une femme. Je me demande qui cette fouine cherche à manipuler.
C'est un manifeste de navire. Elpenor vend des armes à Athènes et à Sparte. Il a intérêt à ce que cette guerre s'éternise. J'en ai rencontré des traîtres. Mais aucun d'aussi perfide qu'Elpenor. Je vais soulever chaque pierre et fouiller toutes les ombres. Je trouverai et je tuerai ce serpent.
Des traces ? Alors ? Rien en vue. On ouvre bien les yeux. Ce chien est rusé. On va l'attraper. Η μια αδελφή ήλθε ή κατέοψε με τεστήταν πάνια ματώεσα. Εγίγερμε και ήβρον ταύτην και ούσα την εστήταν εις την εστίαν. Οι νύθοι υπηνοποιούν περί του συμβάντος. Πότερον, το αίμα αυτής έστη ή τι νος άλλο. Qu'est-ce que tu vois de ce côté? Ce cloporte a disparu. Ouvre bien l'œil. Εννοείς κλέπτους ή ύπους υπό του υπηκού κατασκευθέντες.
n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. Tiens! J'ai perdu sa trace! Ma lame va te tuer! Prends ton avenir entre tes mains et viens naviguer à bord de mon navire. Je ne vois rien du tout. Ah!
Sofres a potiris. Qu'est-ce qui m'a pris? Ce bateau n'est pas fait pour ça. Tu te bats comme une étoile de mer.
serait idiot d'aller en eau profonde maintenant. Je ne devrais pas aller plus loin dans ce bateau. J'ai vu le message que tu as laissé sur le tableau. Alors ? La femme que j'ai aidée a donné naissance à un garçon. Il faut que je m'occupe de placer un rameau d'olivier sur sa porte. C'est magnifique, sage-femme. Il se porte bien ? Comment va la mère ? La mère et le fils sont robustes. Alors il y a des choses à faire. Le père est un commandant et il faut lui annoncer la nouvelle. Sans parler des chèvres à sacrifier pour remercier les dieux. Alors, tu veux que je tue un troupeau de chèvres ? Je t'en prie. Je vais m'occuper de ça. Par Zeus, merci. Je reviendrai quand tout sera réglé.
vais aller chercher ces drachmes. Tu es de retour. Tu les as tués ? Je me suis occupé de ces problèmes. Jusqu'au dernier. Tu fais du bon travail, Mistios. Alors, voilà pour ta peine. J'aurais besoin de quelqu'un ayant tes compétences. Ça t'intéresserait de rejoindre mon équipage ? Je suis sage-femme, pas marin. Mon travail est ici. Je ne me vois pas te rejoindre. Tu fais une erreur, mais c'est ta décision après tout. Prêt à naviguer ? Tout est paré, capitaine.
En avant! Nous sommes à pleine allure! Dans l'eau, il y a des débris! Plus de vitesse! Il faut laisser les rameurs se reposer! Relevez les rames! Repliez la voile! Ralentissez! Capitaine, quitte le pont! J'ai vu ton message. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais me rendre à une fête dans la cité. Ce genre d'événement attire toujours des gens intéressants. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Les brigands, bien sûr. Ils se sont installés près de la route et s'attaquent aux personnes fortunées qui vont à la fête. Et sans parler des bêtes sauvages qui vivent dans toute la région. Et bien sûr, tu veux que je ne laisse personne en vie. Tous les brigands doivent mourir. Tu acceptes, Mystios ? Je suis la personne qu'il te faut. Je te suis redevable. Kéré. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discret. Oh. Ah. Oh.
pas chez toi ici. Oui. Allez. C'est fait. Maintenant, l'argent. Tu es de retour. Tu les as tués ? Je me suis occupé de ces problèmes. Jusqu'au dernier. Tu as mis en œuvre de grandes choses. Prends ceci en remerciement. Je termine toujours ce que je commence. J'ai vu ton message sur le tableau. Qu'est-ce qu'il y a ? Des gens s'opposent à l'enseignement de la philosophie. Avec la plus grande brutalité. Et on t'a attaqué ? Quel philosophe ne se fait pas malmener de temps à autre ? Mais ses disciples d'Arès... Ils considèrent les questions que je soulève comme des outrages, comme des gifles. J'ai peur qu'ils me tuent. Tu me demandes d'offrir ma protection. C'est bien de cela qu'il s'agit, oui. Personne ne posera la main sur toi. Je reconnais.
J'ai vu ton message. Déjà. Et on t'a... Quel philosophe ne se fait pas... Alors... Ah. Pour te faire du mal, il faudra me passer... C'est toi qui as laissé un message. Et... Quel fil. Alors. Tu ne. Que tu aies tenu aussi longtemps.
Ah. Yeah. Ah.
Tu as besoin d'un peu d'aide, mon ami? La guerre a transformé cette ville. Cette nuit, on m'a volé mes gains de la décade. Ah oui? Ça ne m'étonne pas. Oui, mais c'est sûrement l'œuvre des bandits de la ville. Leur saleté de chef les incite à s'attaquer aux Étahirs. S'ils pensent qu'on va se laisser faire... Et tu aimerais que je m'occupe du chef de ces brigands? Je ne peux te cacher mon désir. Je veux sa mort. Ce ne sera pas facile, mais je vais m'en occuper. Je te suis redevable. Tu peux me laisser me charger de tout. Ouah ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ugh.